Bon après-midi à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur la RTGA World. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté le chef de l'État, Joseph Kabila, à engager un dialogue politique inclusif, cela dans le cadre constitutionnel. Ban Ki-moon l'a dit après avoir rencontré tous les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité ainsi que la société civile. C'était au cours de la conférence de presse animée le mercredi 24 février au Fleuve Congo Hotel dans la soirée. Après l'ouverture, bien évidemment, de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs. Un rapport est signé Jacques Mouloubandombe et Kadenzinga. Devant la presse réunie au Kempinski, au Fleuve Congo Hotel, le secrétaire général de l'ONU a fait l'économie des activités menées depuis son arrivée en République démocratique du Congo. Ban Ki-moon a affirmé que la situation à RDC et dans la région des Grands Lacs reste au premier rang des Nations Unies. Nous sommes employés en Nouvelle-Aquitaine du mieux possible dans notre mandat de protection des civils et à promouvoir un dialogue politique ouvert. La population de la RDC mérite de vivre en paix et en toute sécurité. Je me félicite de l'annonce faite récemment du renouvellement de la coopération entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO dans le cadre de la lutte contre les ADF, les FTLR et d'autres groupes armés. Hier, je me suis rendu dans un camp pour 15 000 personnes déplacées dans la province du Nord Kivu. Je suis très ému par tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est une leçon d'humilité pour moi. En tant que secrétaire général, je vais à la rencontre des plus vulnérables, des plus fragiles. Je vais être leur avocat, la voix de ceux qui n'en ont pas. Aussi a-t-il annoncé la tenue du premier sommet humanitaire mondial du 23 au 24 mai prochain à Istanbul, en Turquie. À propos du processus électoral en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé par le retard entamé et a invité la classe politique congolaise à produire un calendrier électoral consensuel. J'ai rencontré le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. J'ai aussi eu une rencontre avec les dirigeants de la société civile, avec l'opposition congolaise et la majorité présidentielle, a-t-il martelé. J'ai écouté les uns et les autres et j'ai exhorté le président de la République à engager un dialogue politique inclusif entre les parties prenantes dans le cadre constitutionnel. S'agissant des casques bleus congolais déployés en République centrafricaine qui ont été renvoyés au pays pour les mêmes grèves que ceux commis par d'autres contingents pourtant impunis, ce qui serait une politique de deux poids deux mesures, le secrétaire général de l'ONU a spécifié qu'en cas d'abus sexuels et maltraitance, il a une politique de tolérance zéro. Toutefois, Ban Ki-moon a félicité la reprise de la coopération militaire entre les FRDC et la MONUSCO. Et justement, par rapport à son entretien avec les politiques congolais, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté les uns et les autres à promouvoir la paix à travers un dialogue constructif et inclusif. Nous vous proposons donc de suivre les propos d'Alain Atundu de l'AMP, Bruno Mavungu de l'UDPS, Charles Mwando Simba de G7 et l'abbé Donatien Cholet de la CINCO. Il exhorte l'ensemble de la classe politique à ne pas hésiter à notre démocratie la malheureuse expérience de la Syrie. Tout est arrivé faute de dialogue. Voilà au dialogue, société civile, ma position. Non, mais il est prêt. Il est prêt. Il accompagne le peuple. Il accompagne la classe politique congolaise. C'est-à-dire que chacun veut faire ce qu'il doit. L'accord cadre, c'est lui avons fait voir que vous avez beaucoup arrivé à cet accord cadre. Donc il faut maintenant aller loin, soit exécuté. Il est d'accord.
Tout le monde a reconnu qu'il y a une impasse. Tout le monde a reconnu qu'il y a... Est-ce que c'est pendant la crise parce que aller aux élections? Nous devons aller. Mais est-ce qu'on va aux élections tout en sachant qu'on est... Il y a une tension. C'est le moment d'aller aux élections. Le dialogue. Le secrétaire général, avoir écouté les points de vue des uns des autres, en est arrivé à des conseils, à faire en sorte que les politiques puissent, que les politiques entre rechercher la solution là où il y a des problèmes. Nous avons évoqué des questions relatives à l'organisation des élections, le dialogue, le droit de la paix et la sécurité. On a fini par quelques recommandations. Le pomme pour une alternance démocratique dans le respect de la Constitution, c'est vraiment la condition d'une paix durable. Et comme vous le savez, Kinshasa a été transformée hier en capitale de la région des Grands Lacs. La ville a abrité depuis le mercredi 24 février la conférence sur les investissements du secteur privé pour la région qui ont pris fin à ces assises ce jeudi, organisée par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le secrétariat exécutif de la CIRGEL avec le soutien du gouvernement congolais. Ces assises visaient ainsi à pérenniser la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et le renforcement des échanges commerciaux et la création d'emplois. Le go avait été donné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et c'était en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est déjà de retour ce matin dans son fief. Et puis, nous vous proposons donc de suivre ce reportage de Jacques Moluba et Kadenzinga. Encore une preuve inéluctable de la fréquentation de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La tenue à Kinshasa de ce 24 février 2016 de la première conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs. Cette plateforme, qui se tient sous le régime de l'accord cadre d'Addis Abeba, regroupe les chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'entreprises ainsi que des principaux partenaires au développement. Elle entend attirer les investisseurs dans la région devenue une poudrière à cause de la pauvreté et créer ainsi des conditions pour le retour à une paix durable. Devant la crème internationale présente à Kinshasa, dont le vice-président angolais Manuel Domingo, représentant le président en exercice de la CIRGEL, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, la représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Ibrahim, et des officiels congolais, le président de la Fédération des entreprises du Congo, délégué du secteur privé, Albert Yuma, a brossé le tableau sombre de l'intégration dans la région avant de proposer de voies de sortie. Malgré tout l'intérêt qu'elle représente, il y a lieu de reconnaître que l'intégration économique dans notre région demeure encore aujourd'hui balbutiante, ne serait-ce qu'au regard du volume des échanges commerciaux entre les États ou du niveau de l'investissement transfrontalier. Dans les faits, la grande majorité des échanges entre les pays des Grands Lacs n'est d'ailleurs assurée que par des petits commerçants transfrontaliers qui opèrent souvent dans l'informel. Ces activités, mal encadrées, sont à l'origine d'une concurrence déloyale que subissent les entreprises légalement établies. Il y a lieu de mentionner 1. Le désenclavement géographique par le développement d'un réseau routier et ferroviaire régional qui permettra à nos entreprises d'atteindre tout autant les façades ouest et ouest de notre continent que de fluidifier les échanges de notre interland. 2. La compétitivité des facteurs de production, comme l'énergie, par la réalisation de grands projets collectifs à l'échelle du bassin du Congo, par exemple. Pour atteindre la paix et la stabilité dans la région, a dit la déléguée de l'Union africaine, nous devons transformer nos économies, créer de marchés et d'opportunités d'affaires.
Pour ce faire, 3,6 milliards de dollars américains sont promis pour financer 51 projets considérés comme des biens communs régionaux, dont Inga 3, Ruzizi et tant d'autres. Fier d'être en République démocratique du Congo pour la troisième fois, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a quant à lui circonscrit le cadre de cette conférence. Il faut une bonne gouvernance et un état de droit. Il faut des populations en bonne santé, éduquées et dynamiques. Il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes. Le vice-président angolais a tablé sur la stabilité des États membres, condition sine qua non pour atteindre le développement. Le coup d'envoi de travaux a été donné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Enfin, clôture ce jeudi du deuxième forum sur les genres des ministres provinciaux de toutes les provinces de la République et des chefs des divisions du ministère du genre au moment où l'on remarque une baisse sensible des cas de violences sexuelles dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, au Kasaï et en province orientale, démembrés par contre, les cas de violences de femmes sont encore bafoués et on voulait suivre ce reportage signé Clarisse Ekoko Kapalai et Francis Siamondele. Les problèmes liés à la promotion du genre sont les mêmes dans toutes les provinces. Mais au nord et au sud Kivu, l'on observe une amélioration avec la réduction des cas de violences sexuelles. Nous avions constaté qu'il y a eu des avancées pour ce qui est de la prise en charge holistique des survivantes, aussi pour ce qui est de la prise en charge, que ce soit médicale, psychosociale, ainsi que l'assistance juridique et judiciaire. Pour nous, pour ce qui concerne la coordination des activités liées aux gens dans la province, tout est formel, tout est bien réglé. Et ceci fonctionne au niveau de la province comme au niveau des territoires. Et je voudrais rappeler encore une fois, et pour matérialiser cela, le gouvernement provincial ici qui vous compte 4 femmes ministres sur les 10. Non loin de là, c'est-à-dire au Haut et au Bas-Ouélé, les fonds détournés et les violences perpétrées par le groupe armé ne permettent pas aux activistes de droits des femmes de bien mener la lutte. La femme doit être autonome. Elle a été victime des détournements de fonds par rapport au projet pour la promotion de la femme. Ce sont les violences perpétrées par les éléments incontrôlés des LRA qui collaborent avec les éleveurs apatrides de Mbororo dans les territoires de Bondo et d'Ango qui sont en train de violer nos petites filles et ils les gardent avec eux comme étant des esclaves sexuels. Même situation au Grand Kasaï où le droit des femmes continue à être bafoué, les délégués de ces provinces au deuxième forum national des ministres et chefs des divisions du genre de la famille et de l'enfant l'ont souligné au cours des échanges. Ils plaident pour le financement des activités liées au genre afin de sensibiliser la population par rapport à cette question. De faire le Et à ce sujet, il convient donc de rappeler que les ministres provinciaux du genre plaident pour le financement des activités en vue de sensibiliser la population sur cette question de violence sexuelle. Et on passe à la revue de presse pour lire les unes de journaux parus ce matin dans la capitale. On peut lire à la une du journal L'Avenir, Ban Ki-moon pour le dialogue inclusif. Le secrétaire général des Nations Unies a exhorté les acteurs politiques de la RDC à s'engager dans un dialogue politique constructif et à mettre les intérêts du peuple congolais devant les intérêts personnels. Ban Ki-moon a aussi martelé sur le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'assistance humanitaire pour sauver des vies humaines. Abordant le même chapitre, le phare relaye le même message de Ban Ki-moon aux Congolais de tenir un dialogue intensif pour les élections apaisées, mais aussi respecter les droits de l'homme et la bonne gouvernance en RDC. Dialogue entre RD Congolais, le journal La Prospérité s'exclame. RDC, Ban Ki-moon insiste sur le dialogue. Là, je cite, le dialogue doit unir et doit être consensuel et inclusif. Le dialogue est d'une importance capitale pour une bonne gouvernance en RDC. Le secrétaire général de l'ONU a eu également des consultations avec les membres de l'opposition et de la société civile. «
La référence plus parle de l'appel de Ban Ki-moon et titre à sa une « Majorité et opposition face au destin de la RDC. Il faut qu'il y ait un dialogue consensuel de toutes les façons. Il n'y a pas d'autre solution selon Ban Ki-moon. » Pour la tempête des tropiques, Ban Ki-moon met Joseph Kabila devant ses responsabilités. Il a rappelé son message de janvier dernier aux dirigeants africains de ne pas s'accrocher au pouvoir, souligne la consoeur. Terminons cette une de journaux avec la manchette qui écrit autre chose. Kamere et Katumbi, deux caïmans dans un même marigot. Pour la consoeur, il sera difficile à ces deux politiciens de l'opposition de regarder toujours dans la même direction. Et cette revue de presse vient mettre fin à ce bulletin d'information supervisé par Clarisse Coco Kapalai. Merci en tout cas pour l'attention accordée à la RTG Aoud. Moment d'évasion.